De marche et après je devais aller faire des petites courses donc j'ai fait un petit détour et j'y suis allée donc je suis passée chez Lidl, c'était sur un chemin et je vous ai filmé quelques plantes mais il n'y avait rien d'intéressant. Par contre les grandes alocasias à 22 cakes je crois c'était pas mal, mais dans ce Lidl là il n'y a pas grand chose niveau plantes et du coup je vous fais un petit retour de course. En vrai je sais même pas si ça vous intéresse, enfin bref c'est pas grave. J'ai pris un concombre, je dois faire une recette avec des petits citrons parce que pour faire mes citrons pressés du matin. J'ai pris des petites Pink Lady pour mon goûter. Alors j'ai trouvé ça, je les ai jamais goûtées. Pareil, c'est pour mon goûter quand j'ai des petites faims à la journée. Voilà. Du lait de noisette, donc celui-là je l'ai déjà goûté. J'avais aimé sans plus, mais c'est pour le goûter avec mon matcha. Parce que du coup, je voulais essayer le lait végétal avec mon matcha. Et j'ai trouvé ça. Je n'ai jamais goûté non plus. C'est un petit smoothie fraise banane. Bon, ça devrait être bon, mais voilà. Voilà, c'est tout pour ce retour de course. Cet après-midi, j'ai quelques plantes à évacuer parce que ça fait plusieurs jours que je repousse l'arrosage, mais là mes bégonias elles en peuvent plus, faut vraiment que j'aille les arroser. Et peut-être que je planterai mes bulbes de tulipes que j'ai toujours pas plantées, qu'il faut que je fasse. Et j'ai aussi, je dois m'occuper de mes deux jardinières, retirer ce qui est mort et je dois planter une petite fleur que j'ai achetée en jardinerie, que je dois replanter dans ma jardinière. Voilà. Donc là, moi, je vais aller ranger tout ça et puis je vais manger et je vous retrouve après. J'ai un problème d'eyeliner là. En fait, j'ai coupé des oignons rouges et ça m'a fait pleurer. Donc j'ai la flemme de le refaire, donc on va rester comme ça pour toute la vidéo. J'ai été en train de regarder une vidéo YouTube, j'ai même pas coupé, n'importe quoi. Vous vous rappelez de ma Monstera Dubia que j'avais reçue et que j'étais déçue et tout parce qu'elle était sectionnée en haut? Et bah je vous avais dit qu'elle avait une petite pousse et là la feuille est en train d'apparaître. Je vais vous la montrer, c'est trop mignon. Donc voilà, elle est juste ici. Mise au point. Et là vous voyez, ça continue de pousser juste ici. Bon, c'est tout petit hein, comparé aux autres, mais au moins ça pousse, je suis contente. Et là d'ailleurs on a ce bégonia là qui est mais... Il a vraiment très très soif et pareil il y en a un deuxième là-bas qui a très soif. Ce que je vais faire c'est parce que là je vais vérifier toutes mes plantes. Des fois je fais ça de temps en temps, je vérifie si quelle plante a soif ou pas. Parce que des fois il y en a, elles ont pas l'air et elles ont très soif. Je vais toutes les vérifier, je vais toutes les poser sur la table et puis bah j'irai les arroser juste après.
Thank you.